Bonjour à tous et bienvenue sur Poké Channel 76. Donc aujourd'hui, ouverture destinée de Paldea. On va avoir 21 boosters à ouvrir. On espère avancer la série, toujours à la recherche de secrètes Pokémon secrètes. Donc deux bundles, 3 tripacks. Tout ça pour quel résultat? C'est maintenant qu'on va aller voir ça. Let's go! Donc, on a dit 21 boosters. On commence par les tripacks en mode Trinkilou. Et puis après les tripacks, on va aller sur les bundles qui sont pour le coup généreux. C'est ce que j'ai pu constater sur l'ouverture des plus de 100 boosters. C'est que mine de rien, les bundles permettent un ratio assez sympathique. Plus sympathique mine de rien que les coffrets. C'est ce qu'on a pu remarquer. Allez, petite énergie électrique pour commencer. Echo, Fantominus, élève de Paldea, Barloche, sac de Menzi. Je vais essayer de trier un petit peu au passage. Briochien. Donc ce qui nous intéresse, c'est vraiment les petites shiny. Je vais vous montrer Feeble Ball, le classeur, pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Et ce qu'on recherche. Vous avez pu voir pouvoir voir ça à la fin de vidéo. Menzi et Xatu en holographique. Donc la série classique. Franchement, elle est quasiment 100%. Je pense qu'il manque une carte, une reverse. Peut-être deux reverse, grand maximum. Alors, je raconte des bêtises. Il manque une ex aussi. Il manque une ex dans la série classique. Ça, c'est le code. C'est pour vous, les amis. Petite énergie feuille. Donc, ouais, une ex et une reverse. Et puis après, par contre, il nous manque beaucoup plus de choses. Dans la série secrète, quoi. Magmar, Menzi, Salamèche, Colline Claire de Lune, Reptincelle, Briochien, Natu en reverse, élève de Paldea en reverse, et recherche professorale. Bon, alors là, ça, c'est le tripack de la loose. Donc voilà pourquoi les bundles sont plus sympathiques que les tripacks, ou que les autres items. Ah, sur 3 boosters, j'espère au moins avoir un truc tout. Allez, tout tombe. Lupio, Chauve-Sourire, Bagiguane, Colossinge, Hyperball, Femignol. Ah, voilà, une petite shiny quand même, c'est important. Et Abra, qu'on a déjà. Abra, Poulpaf et Motoriza. Bon, ouais, Abra, j'ai déjà malheureusement. On a quand même la petite shiny qui est tombée sur 3 boosters. On va se contenter de ça. On va se contenter de ça. Est-ce qu'on peut faire des tripacks sans rien? Il me semble que oui. Il me semble qu'on l'a malheureusement déjà fait. Donc on va être content de ce coin. Alors, on part sur l'ouverture de deuxième tripack. Et j'espère de votre côté que vous êtes quand même assez chanceux. N'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu les hits que vous avez eu, le nombre de boosters que vous avez ouverts. Moi, j'ai pas encore fait le calcul, mais je pense qu'on a dépassé les 170-180 boosters, je pense. Cérosinge, Flotillon, Pikachu, Toutombe, Sarfaduvé, Bagaïde, Hyperball. Hyperball en reverse. Noix de coco en reverse. Et Kourou Singe en carte holo. Ah, et les bundles, il n'y en a plus en magasin. Bah dans mon secteur, ça a été vidé de chez vidé. J'ai participé un petit peu, mais pas tout pris. Let's go les petits. Ouais, je leur donne un peu les codes. En fait, j'ai trop de codes à la maison. Ça me sert pas. Je joue pas. Donc, Menzi, Salamèche, donc je les donne, voilà, je termine ma phrase. Super bonbon, Frigodo, Clove, Fragoin, Colline Claire de Lune, Charbon Main, Chauve-Sourire, et Malvalam. Alors, les tripacks, les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, tout de suite, ça fait peur à chaque fois, hein.
Il n'y en a même pas un qui nous a donné un bon booster dès le départ. Alors après, moi, c'est dans les tripacks que j'ai réussi à sortir le Dracaufeu. Malheureusement, qui n'était pas pour moi. Qui était pour une personne sur Vogt. Mais c'était dans un tripack. Donc, est-ce que je pourrais me faire la même chance? Ça serait pas mal. Loupio. Vrombi. Salamèche. Deden. Kirlia. Ectoplasma. Fible Ball. Et un gros doudou. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir, les amis. Un gros. Par contre, il est abîmé. J'ai les nerfs. Bah, la carte, elle est pas nickel. Mon petit gros doudou, mon petit. Et alors, le centrage est pas ouf. Et là-haut, elle est légèrement abîmée. Tout tombe en reverse. Et deux grino. Bon, au moins, ça veut dire qu'il y a une shiny à chaque fois. Soit une petite, soit une grosse. En tout cas, sur les deux tripacks qu'on a eu là. Ouais, ça fait un hit tous les trois boosters. C'est plus ou moins ce qu'on avait calculé. C'est pas mal. Gros doudou. Mais. Ça avance pas là, c'est... Let's go! On en veut! Neuneuf, Ferro-Singe, Flotillon, Pikachu, Fragroin, Quencia, Lanturne et Scalpion. Alors là, Scalpion, est-ce que je l'ai ou est-ce que je l'ai pas? Je suis pas sûr à 400%. Mais on aura l'occasion de voir ça en vidéo. Cherchez mes sleeves. On aura le temps de voir ça en vidéo, en fin de vidéo. Je vais sortir le classeur pour vous le montrer. Et au passage, on mettra peut-être les hits éventuels que j'aurais eu en plus dans le classeur. Mais pour l'instant, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose. En tout cas, dans le pire des cas, on ira vérifier. Et... Je vous montrerai le côté sympathique du classeur bien rempli. Voici les amis. Allez, deuxième booster du tripack. Tout tombe. Charbonbin, Poulpaf, Vrombi, Kirlia, Ectoplasma, Faible Ball. On a petit Fampi en reverse. Briochien en reverse. Et Clove. Les dresseurs. J'en ai jamais assez des dresseurs. C'est toujours sympathique. Bon, n'hésitez pas, hein, s'il y en a qui recherchent des cartes à l'unité. Je commence à avoir quand même pas mal de doubles. Donc, si vous souhaitez faire soit des échanges, soit de l'achat, n'hésitez pas à me contacter. Il y a le lien Insta sur YouTube, donc le mieux c'est de contacter sur Insta. Après, vous pouvez toujours commenter, laisser vos petits commentaires et qu'on en discute. Allez, énergie psy. Let's go. Loupio, pomme de pique, Pikachu, Fampi, Faible Ball, Rhinolave, Colline Claire de Lune. Il y a l'air d'avoir un petit truc. Et c'est un motorisard. Shiny. Grondug en reverse. Et Xatu en holographique. Le motorisard. Ouais, c'est quoi? Il y a Sonistrel et motorisard, je crois, en shiny. Dans ces couleurs-là. Mais même dans la vraie série, je crois qu'il n'y a que ça. Bon, bah on est pas mal niveau hit. On a eu quand même 1, 2, 3, 4, 5, 5 hits sur 6 boosters. Franchement, pas dégueulasse, mine de rien, les tripacks. Et maintenant, on va attaquer 6 boosters. Donc les bundles, que je considère un peu mieux. Maintenant, on va voir si c'est vraiment le cas. Simplement que 6 boosters, c'est toujours sympathique à ouvrir, quoi. Ça fait une petite quantité. Let's go. Le gars a que ce mot à la bouche. Mime Junior. Sonistrel. Echo.
Phantominus, Fragoin, Colline Claire de Lune, Camerupt, Menzi, en reverse, et Oko en reverse, et Gromago en holographique, premier booster, trop nul. Allez, deuxième booster du bundle. Ah, si on va le donner le code, on va le donner, on donne les codes aujourd'hui. On donne les codes. Mime Junior, encore et encore, Grondog, Barloche, Gourmelet, Ectoplasma, Générateur électrique, Famignol. Ah, yes, 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 yes! On veut une Big Full Art. Une petite Shiny. C'est quoi? Une petite Shiny. C'est une petite Shiny. Le Pikachu, c'est jaune. Le Pikachu, s'il vous plaît. On veut le Pikachu. Et ça va être un Salarsen. Muy bien. Élève de Paldea en reverse. Et un petit Noix de Coco en holographique. Donc, petit hit quand même. Troisième booster du bundle. Élève de Paldea, Barloche, Chauve-Sourire, Compagnol, Erio, Donphan, Feblobol, Doudou V en reverse. Barloche en reverse et Raichu en holographique. C'était pas le bon. 1 sur 2 ? 1 sur 2 serait pas mal. Un hit tous les deux boosters sur le bundle, je dis oui. Avec une secrète. On serait au top. On serait au top. Énergie feu. Comment je le veux, mon Draco feu, les amis ? Je le veux, mais je le veux. Super mon Frigodo. Pomme de pique. Chamallow, Machine, Fulgulero, Quencia. Insecateur. Très joli. Très joli Insecateur. Sonistrel en reverse. Et Recherche Professorale en holographique. Bon, pour l'instant, deux petites chenilles sur le bundle. Et il nous reste deux boosters encore. J'espère qu'on va pouvoir aller chercher encore quelque chose sur ce bundle. Mais je veux vraiment ma full art Pokémon. Ça serait une des trois, le Mew, le Dracaufeu, le Corridon, ce serait. C'était assez rapide. Trop rapide. Hop. Après vous pouviez mettre pause, autant pour moi. Énergie combat. Tarsal, Magmar, Patachio, Spectrum, Hyper Ball, Rhinolove, Clove, Chauve-Sourire en reverse, Pum, ok, Malvalam, ouais. Les fausses alternatives. Les fameuses fausses alternatives. J'aurais préféré une petite shiny. Je vais pas vous le cacher. Allez, dernier booster du bundle. Et tout ça pour le hit du jour. On y croit. On l'annonce. Énergie Psy. Ça, c'est pour le Mew. Allez, petit Mew, montre-toi. Montre-toi, mon petit Mew. Natu, élève de Paldea. Doudou V, Low Class, Kirlia, Machine Technique, Point de Crise, Briochien, Axoloto, ça c'est de la reverse. Ouais. Patachio, et derrière, Ripple Up,
Gardevoir ex. Je l'avais pas. Pour ça, je rigole. Le Gardevoir ex, il me semble que c'était la seule ex que j'avais pas. Donc, elle va au moins avoir le mérite de compléter la série. Donc, c'est une bonne chose. Et, par contre, je crois pas avoir. La Reverse qui me manque, je suis pas sûr de l'avoir vue. Je ne pense pas même. C'est quasiment sûr. Et non. Donc, pour l'instant, sur la série de base, il va me manquer, il me semble, que une Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 boosters, les amis. On est parti et on espère vraiment aller taper une petite dinguerie pour cette fin de vidéo. Ce qui ferait extrêmement plaisir. Ce qui ferait extrêmement plaisir. Allez. On le mérite, je le mérite, vous le méritez, on le mérite tous. Donc, on va faire tomber la chose. Sonistrel, Echo, Fantominus, Élève de Paldea, Quencia, Kirlia, Point de Crise, et Mimiki. Ça, c'est bien, ça fait avancer la série, les petites shiny comme ça. Mimiki, Mimiki, Xatu en reverse, et derrière, Gros Mago en holographique. Mimiki, en plus, il me dit rien du tout, donc je... Peut-être moyen que ça avance la série. Parce que sur les autres petites shiny, j'ai l'impression que j'en ai une partie, quoi. Donc, on veut encore d'autres shiny. On veut de la full art aussi. On veut du Pokémon. On veut du hit qui déboîte. Lupio, Vrombi, Salamèche, Deden, Clove, Fragoin, Camerupt, Deden. Pomme encore. Et Couron singe. C'est un hit, mais on les considère même plus comme des hits. Je sais pas si vous avez beaucoup ouvert, hein, mais moi c'est des cartes pour le coup que j'ai. J'ai en plusieurs exemplaires. On va pas je vais pas parler d'une autre carte parce que sinon je vais la tirer en fait. Donc je vais éviter de la citer. Mais ouais, il y a une carte qui est pareille, qui est redondante dans mes tirages et qui devient un petit peu casse-bonbon. Let's go! Doudouvé! Marakashi, Mordudor, Bagiguan, Erio, Camerupt, Donphan, Grondug, en premier reverse. Mime Junior et Mimiki en holographique. Il nous reste 3 boosters, les amis. Oh là là là. Cette série, je la kiffe parce que, mine de rien, à ouvrir, elle est cool, il y a quand même pas mal de hits. Après, il y a vraiment ce problème que la série de base est trop facile ou pas assez grande et que la partie secrète est trop énorme. Ce qui fait qu'à la fin, vous ouvrez, mais vous avez très rarement de l'avancement de série, quoi. C'est compliqué. Menzi. Natu. Super Bonbon. Doudouvé. Colin Clair de Lune. Erio. Donphan. Salamèche, Reptincelle. Salamèche, je l'ai. Un petit Reptincelle serait bien. Je sais pas, 112 je crois. Mais je sais pas, c'est. Ouais, 112. Je sais pas qui c'est la 112. Et c'est Entai. Très joli. Très joli, mais il me semble que pour le coup, je l'ai ce petit Entai. Gourmelet. Et Maganon. Mais très joli en tout cas. Allez, on se rapproche de la fin. Deux boosters. Natu, Super Bonbon, Doudouvé, Chamallow, Donphan, Erio, Femignol, Flotillon, Bagaïde et Motisma Chaleur. Bon, bah, il va nous rester une booster, les amis.
pour essayer d'aller chercher la secrète alternative Full Art, Dracaufeu ou Mew, serait très sympathique. Bah, franchement, ouais, c'est dur à faire tomber, hein, les secrètes. Je trouve ça assez impressionnant. Alors, je dis pas que normalement j'aurais dû les faire tomber, hein, y a pas de quota, mais sur le nombre que j'ai tiré entre les ouvertures Vox et mes ouvertures perso, un seul. Allez, Mime Junior, Grondog, Barloche, Gourmelet, Briochien, Sac de Menzi, Colossinge, Malvalam en reverse, Baggy Gwen en reverse, et un Roue de Fer X. C'est pour juste pour pas terminer sur rien. Au moins le petit Roue de Fer tombe. Bon, le deuxième bundle était moins ouf. Hein. C'était moins sympathique. Donc on a dit 10, 21 boosters. Et 21 boosters, les petits loups. Donc, les petits pawns qui sont là, les ex qui sont là, le club qui est présent, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 shiny. Ouais, franchement, ça reste correct. Hein. Comme je dis, c'est quand même une série, mine de rien, qui donne. Et ça, ça fait plaisir. Elle est quand même grave kiffante à ouvrir. Et donc, sans plus attendre, je vais vous montrer le classeur. Et on est de retour pour la mise en classeur. Donc, comme je vous l'ai dit là au niveau de la vidéo, il y a pas mal de cartes que je pense avoir. Donc, je les ai classées et on va voir ce qu'il en est. Présentation, donc, pour certaines séries, je l'ai fait en Master Set, certaines en full. Donc Master Set, on a les Reverse aussi qui sont comprises à l'intérieur. Donc à chaque fois, vous avez le que ça soit Pomme de Pique, Marakashi. Séant deux fois, Terracool aussi. Voilà. On a bien sûr... Alors ouais, c'est que le problème, c'est qu'il y a ma tête là-haut. Et je crois que je peux pas changer. C'est pas grave, on a la tête là-haut. Mais bon, c'est le Salamèche, Reptincelle. Voilà, Chamallow ici, bam bam, donc là les low class, ok, 9-9, donc là je pense qu'on va arriver, en effet, on arrive sur la fameuse carte qui me manquait, c'était le Gardevoir, donc Gardevoir qu'on a tiré aujourd'hui, donc comme quoi mine de rien, sur toutes les ouvertures que j'avais fait, hein. Comme je vous dis, entre 150 et 200 boosters ouverts en ce moment, mine de rien, il manquait juste une ex classique. Alors que autant j'avais beaucoup de doubles sur certaines ex, mais le Gardevoir n'était pas encore tombé. Donc ça c'est cool, ça me remplit vraiment ma série complète. Comme vous pouvez voir, j'ai l'intégralité des cartes, que ce soit en reverse ou en classique. Donc là on n'a vraiment pas de trou dans la série, ça fait super plaisir d'avoir des classeurs aussi bien rangés. Et là, bam, le trou est ici. Et donc, en fait, c'est le Famignol Reverse que j'ai pas. C'est une âme charitable et dans les parages et souhaite se séparer de son Famignol Reverse. Je suis preneur. Voilà. Donc là, pareil, hein, toutes les cartes de dresseur. Et là, on arrive à la partie sympathique. Donc, les Shiny. Sauf que la Shiny, donc là, un sécateur, comme on peut voir, on a déjà. Donc c'est pas grave. Les Entai, le Entai je l'avais cité, mais ouais, c'est bien ce que je pensais. Il est présent aussi ici. Donc on n'a pas d'énergie, de Shiny Flotte. Toxizap, Salarsen c'est à côté. Donc ça c'est toujours cool. Ça fait un petit avancement de carte. On prend toujours Salarsen qui... est présent. Le Abra, voilà ce que j'allais dire, le Abra, je l'avais déjà cité, mais normalement,
il me semblait bien de l'avoir. Donc on a Mimiki, c'est 160. Donc Trousselin qui est ici, hop, on voit pas. Mais 159. Donc le Mimiki sera juste ici. Donc ça fait toujours plaisir, c'est de mettre des cartes en classeur. On va voir le Scalpion. Donc là on voit que c'est vilain. Oh le papa, papa, les amis. Zut, le Scalpion est déjà là. Donc ça, hop, ça va partir dans les doubles. Le motorisard, on a le Sonistrel qui est ici. Le motorisard qui est juste devant, juste derrière. 195, juste derrière. Donc le motorisard. Donc ça, c'est cool. Ah, il se plus que deux pour compléter la page. C'est important. Et le gros doudou, pareil, ex, que j'ai déjà. On va aller voir ça. Donc là, pareil, hein, ça reste bien vide, hein, les amis. Cléopsytra, Alakazam. Donc là, les pages qui sont assez sympathiques aussi. Donc le garde-voir en haut qu'on voit à moitié, là. Fort éclat, terrestre, bruiverne. Le fameux gros doudou. Donc là, il nous en manque une, je sais plus qui c'est. Tapatuès, Triopico, Super Dauphin, Pomme, Clove, Juge, Menzi, Élève de Paldea et Élève de Paldea. Et derrière, on a les secrètes dresseurs et les petites gold, Niridon et Corédon. Voilà, vous savez tout, tout sur mon classeur. Donc j'espère en tout cas que vous avez apprécié la vidéo. Moi j'ai bien kiffé faire cette petite ouverture. Sauf que à un moment donné, pour compléter la série, je sais pas trop. Est-ce que je vais passer aux échanges? Est-ce que je vais passer aux achats? Est-ce que je vais continuer à ouvrir? Telle est la question. Ça vous le saurez sur un prochain épisode. Donc bonne journée à tous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit à très bientôt. Ciao la team.